Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo consacrée à la beauté de l'art médiéval. L'art médiéval est issu de l'héritage artistique de l'Empire romain et de Byzance, auquel s'ajoutent des influences artistiques barbares du nord de l'Europe. Couvrant la période qui s'étend de la chute de l'Empire romain vers 300 de notre ère, au début de la Renaissance vers 1400, l'art médiéval présente une grande diversité de formes d'expression. On le divise généralement en trois périodes en fonction de son architecture. Le paléo-chrétien, le roman et le gothique. Mais cette dernière période, vers 1150-1400, a elle-même connu une évolution continue. Certains des exemples les plus anciens d'art paléo-chrétien se trouvent dans les catacombes ou dans les cryptes funéraires situées sous Rome. Après le Haut Moyen-Âge et la fin du premier millénaire, apparaissent l'art et l'architecture romans, qui s'inspire essentiellement de précédents romains. L'accroissement des richesses et le développement de grandes villes commerçantes favorisent l'apparition d'artistes professionnels qui ne sont plus anonymes et qui travaillent pour les cours ou pour l'Église. Une très grande partie des productions artistiques de l'époque gothique et des périodes antérieures a été détruite. Il subsiste des enluminures de manuscrits, des peintures murales, des sculptures en pierre, des décorations d'églises et des œuvres propices à la prière et à la dévotion. À l'époque, on ne distinguait pas clairement l'art et l'artisanat, mais les niveaux de compétences très élevés des artistes et des artisans ouvriront la voie à de nombreuses innovations techniques. La plupart des artistes du Moyen-Âge ont voulu illustrer la grandeur de Dieu et sa miséricorde, sans souci de réalisme. À partir de la fin du XIIe siècle, les artistes commencent à étudier et à imiter la sculpture gréco-romaine, tout en préférant généralement élaborer leur propre esthétique, qui culmine avec la délicatesse et l'expressivité des œuvres de la fin du gothique. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.